Mesdames et messieurs la famille, gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. Comment nous y est avec un pile plaisir, un pile l'amour. Comme d'habitude, moi retrouvé mon micro là. Moi poter une autre vidéo d'information pour nous. Merci parce que en vérité vous faites une confiance. Merci parce que vous suivez le travail là et appréciez. Et nous-mêmes en retour, n'a continué fait tout ça que nous capable pour nous capable bien informer. Guy Philippe parler. Philippe a parlé après-midi avec confrère nous James Pierre, c'est pas décausé, Philippe a pas dit. Journaliste là, lui-même tout, il était posé des questions extrêmement intéressantes et mesdames et messieurs, à ce là, nous pral faut découvrir une série de bagages qu'on pas jamais entendu que Guy Philippe t'a dit malgré pendant plusieurs fois, il était parlé dans micro radio, il t'a parlé avec confrère nous Molo Scott, mesdames et messieurs, en tout cas, restez connectés, nous prenons le fort temps de Guy Philippe qui t'a répondu à une question, James, les amis. Non, Port-au-Prince, président pays à Jovenel Moïse recevra les créances plusieurs ambassadeurs jeudi à qui mounioye, qui pays ou vin représenter, restez connectés, nous venons avec plus d'informations pour eux. Aux États-Unis d'Amérique, c'est fini. C'est fini pour Donald Trump, collège électoral là, validé, résultat, élection yo. Donc Joe Biden officiellement président des États-Unis d'Amérique. Bon, l'aime dit officiel là, c'est une façon de parler parce que nous connaît, c'est le 20 janvier monsieur Lipral prêter ses mains. Eh bien les amis, qui ça Donald Trump pral faire, nous pas connaît, mais déjà gagné un petit changement cap fait au niveau de la Maison Blanche, au niveau de l'exécutif et l'autre bois là, puisque gagné ministre justice américain Bill Barr qui lui-même démissionné jeudi. C'est Donald Trump lui-même qui a annoncé nouvelle là sur Twitter, lui qui t'en dit qui est-ce qui pourrait le remplacer. Restez connecté, n'a vienne avec plus nouvelle pour un petit moment à l'Allemagne. Jodi a la a fait face à une nouvelle flambée de nouveaux cas de coronavirus, li mandé pour Union européenne capable rapide vite valider vaccin contre coronavirus. Arrêtez connecté nous pour venir avec toute nouvelle ça pour avec un pilote encore un petit moment. Quitte me prend seulement quelques secondes pour me souhaiter un très très joyeux anniversaire avec yon moun qui remet unisono. Pas fait jalousie, me connaît ou même tout ou remet unisono. Unisono c'est à fait pour. Mais je dis à la, c'est sa fête, c'est lui-même n'a baye love là. N'a dit yon très très joyeux anniversaire à Zaminou Canon Bétiard qui a coûté aux États-Unis d'Amérique. Canon, je dis à nous voyez yon très très grande pensée pour toi parce que c'est un jour particulier pour toi. C'est ta fête. Puisque c'est ta fête, au nom de Unissons-nous, je te souhaite du bonheur, de la joie, de très, 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 très bonne santé. D'accord? De très, très bonne santé, parce que avec la santé, eh ben, on est capable de gagner tout ça que vous voulez. Bref, Canon Bétiard, joyeux anniversaire et une très, très, très belle journée. Nous espérons justement que fête là lui-même la belle. Il nous souhaitait que, Zamim Andy, il nous souhaitait que nous font bon wagay, mais surtout, faites très attention parce que coronavirus là, li nan léa, pas jamais oublier ça. Canon Bétiard, unissons-nous, famille, souhaitons une très 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 bonne fête et merci, merci, merci infiniment parce que vous appréciez le travail nous, vous appréciez nous et nous souhaitons en vérité que bon Dieu dans le ciel là, faut vivre 110 années encore. Ok? Merci, bonne fête. Avant que n'entrer dans l'information, les amis, Nabzou, restez connectés, restez gardés vidéo ça jusqu'à la fin, parce que dans fait vidéo, n'a fait 11 ans minou cadeau, $40 américains, parce que où qu'on est, c'est en tout cas décembre, mois de décembre, unissons-nous, c'est la fête, c'est comme ça nous fait. Et donc, dans fait vidéo, n'a pas au moins $40 américains, et donc probablement, c'est vous-même qui prenez le gagner. Nous pas parler en pile, on faut attendre. Interview ça que Guy Philippe pendant l'en prison, il baille à confrère nous
James Pierre, qui fait en tout cas une très très belle interview avec Guy Philippe. On t'a dit, et puis on va retourner tout à l'heure. Ok, en pile monde là à suivre. Merci à tout le monde qui share YouTube, qui share live là tout. Ça fait moi en pile plaisir. Et Guy, comment nous y est? Parlez-nous de santé ou et santé morale ou en de prison. Comment vous y est? Bonsoir, comment y est? Et où qu'on est? Moi en forme. Moi en forme. Et si c'est pour moi, si c'est pour moi-même, Guy Philippe, personnellement, moi en forme. Santé en forme. Moral, moi en forme. Et j'aime toujours dire, pour moi, c'est juste un incident de parcours. Yo ralentine sous couche, non? Pour bataille pour changement pays. Hein? Mais c'est seulement un ralentissement. Bientôt, map de yo, bientôt, map avec peuple, bientôt, map dans pays. Et ensemble avec l'équipe, ensemble avec le monde qui veut le changement réel, nous allons continuer la bataille politique que nous avons menée. Hein? Pompi bon Haïti. Ok, ou dit c'est juste un ralentissement. Est-ce que ça t'a voulu dire que Guy Philippe, l'elle retourne en Haïti, l'a retourne dans la vie politique là, l'a retourne dans la vie sociale là en Haïti? Est-ce que c'est ça ou voulez dire nous là? Question si m'a retourne dans la politique, nous pensons que ou même ou bien placé pour ta réponse ça pour moi. Ou connaît très bien que pas rien cap femme qui te fait politique. Parce que nous obligés faire politique. Pour nous qu'avoir un changement que l'a cherché en Haïti. Donc Haïti besoin des monde qui cap poser question yo, bay réponse à gros problème qu'a traversé société a. T'as gros problème insécurité, on a tout on a parlé chaque jour. Même pour j'aime dans un monde qui aborde problème insécurité qui dans capitale là et puis dans grande ville yo et qu'on y a cap tomber dans ville provinciale, j'ai t'as supposé aborder. Tout monde a parlé et t'as coup politiquement correct. Tout le monde a pensé dire ça qui est bon, ça qui n'est pas gêné. Mais aucun monde ne veut aborder le problème social qui a ravagé le pays, qui est la cause que nous vivons le problème d'insécurité que nous vivons aujourd'hui. Donc, voir pas non, c'est toujours important pour nous dire la vérité à Jean Lia. Donc, j'aime vous dire que vous connaissez que j'ai deux cas dans l'OEA. Parce que je porte plainte officiellement contre l'État d'Haïti, République d'Haïti, et officiellement contre les États-Unis d'Amérique. Moi, je dis, et je vérifie le tout, sur le site OEA, que camion, que pétition, ils acceptent et ils avancent, et bientôt, ils prennent une décision finale sur le dossier. Ça. Nous allons dans la section droit de l'homme, OEA, Napoel. Tous deux cas. Ou cap allez sur le dossier, le premier cas, c'est P. 245-17. Deuxième nan, c'est P231-17. Premier, c'est contre l'État haïtien. Deuxième nan, c'est contre l'État américain. Donc, le fait que OEA a accepté et qu'on y a limité dans bagali, dans l'archive, il y a travaillé sur lui, c'est parce que ouais que samedi, c'est vérité. Et je n'ai pas besoin de répéter tout samedi, mais si mon yon vle, m'a expliqué yo dans quelles conditions m'y là, comment me fait là et qui j'en sac passé à passer. Cependant, moi dit plusieurs fois et tout le monde connaît que ici là moi même sont prisonnier politique. Moi là sans que pas gain aucun rien réellement contre moi. D'ailleurs, yo arrêté, yo m'a dépé pour payer m'baï moi, livrer moi pour trafic de drogue. Le m'rive ici, c'est pour money laundry, c'est l'argent m'dan de m'de gagné en 1997, sur un compte qui pas de jambe gagné $200,000 sous lui, yo dit yo te joindre $3,500,000. Et jusqu'à présent, pas bon monde qui a montré un goud qui était vraiment sous compte, à part de un chèque de $120,000, à part de peut-être dans contenant, dans tout le temps, contenant de durer 4 à 5 ans, il n'y a pas de jambe gagné $200,000 là-dedans. Ok. Nous avons fait un travail très professionnel. Ou rendons compte que moi pas interrompu dans l'entrevue ça. Parce que je voulais que tout ça qu'on a dit, yo moun yo tande l, et que yo même yo pote jugement par yo, yo apprenne un bagage en plus que peut-être que yon question que yo t'a remé konne. Gen pile moun qui a demandé qui l'est Guy Philippe a plagé. Qui date exacte là? Moi même avec vous, et nous konn date là. Right? Mais m'a réservé le droit. Jodi a pour me pas dire qui date exacte que ou a plagué pour plusieurs raisons. Même capable dire mon yo que à cause coronavirus et prison aux États-Unis, yo révisé et
temps que moun te doit passer dans prison, yo réduit li, si vous voulez permettre que me dire comme ça, et gen l'autre bagaille qui changer dans dossier là tout qui permet que temps changer et qui pi bonheur que pita et c'est incapable de dire comme ça, mais et peut-être dans l'autre émission m'a baye moun yo plus de détails sur date exacte que ou ap la guerre parce que tant que j'aime dire pour plusieurs raisons m'a pas envie entrer dans technicalité ça même si on moun doit aller sur site internet là ou ap joindre plusieurs informations qui bon plus ou moins et date là m'ta même parler de discours que ou ap fait là. Est-ce que vous pensez que qui ça qui fait discours yo différent de l'autre discours l'autre politicien en Haïti? Est-ce que ça baye inquiétude sous échiquier politique là? Comprendre que discours politique moins j'aime parler, j'aime camper, li inquiété en pile secteur en Haïti. Nèg en Haïti toujours aimé faire politique division. Yo di ou même yo classe ou même on c'est Lavalas. Yo di ou même on c'est de facto. Yo di ou même on c'est duvalieriste. Yo di ou même ou c'est nèg Préval ou bien nèg Jovenel. Parce que yo pas jamais vle que population, que jeune yo, que moun qui vle changement ouvre entend yo. Y a divisé pendant que yo même en l'air yo entend yo les pour craser pays. Le pour va craser pays là après l'équipe GNB li met ministre li met tout côté. Les pour mater li craser pays là après l'équipe Lavalas li que Rudi Rivo que Sohan li mettait tout gros poste tout bagaille dans pays là. Et c'est comme ça que mon pays on peuple pendant que y a raché en l'air toujours même petit élite là, même petit classe là entre eux y a craser et puis yo veulent pour peuple là li même diviser. Donc moi même c'est ça, c'est politique ça, c'est langage ça, c'est discours ça qui bat les problèmes. Parce que aucun monde va aller poser problème aux gens où y est vraiment. Pour qui raison Haïti dans l'Italie là? Pour qui raison nous pauvres, gens nous pauvres là? Pour qui raison y a humilié de tous côtés? Pour qui raison y a insécurité aujourd'hui en Haïti? Pour qui raison tourisme à en Haïti? Pour qui raison peuple noir à vivre dans l'humiliation à vivre là? Pas grand monde qui voulait poser question au bien, pas grand monde qui voulait répondre question au bien, parce que vous voulez pour vous correct politiquement avec États-Unis, avec la France et avec élite corrompue pour Haïti. Guy Philippe, ou c'est invité nous aujourd'hui, merci en pile parce que nous connaissons tout le temps ça prend pour être capable et avec moi aujourd'hui dans l'émission ça, même si je suis capable de dire qu'en pile fois, on a demandé une question pour parler de vous, même pour qu'on voulait parler de vous, parce que c'est mieux que moi gagner ou même là pour venir parler de dossier. On nous parle de insécurité dans le pays d'Haïti. Nous voyons qu'il y a un pile cas de kidnapping qui a fait, il y a un pile violence dans plusieurs villes en Haïti et où gagnent un pile background dans affaires sécurité. Quelle lecture de insécurité en Haïti? Dossier insécurité qui a ravagé le pays, non? Son bagage qui a une complexité. Parce qu'il y a un pile avec l'autre aspect dans la vie. Pays noir. Question qu'on a posé depuis qui le mouvement insécurité ça a bougeonné dans le pays d'Haïti vraiment. Depuis qui le gang passé par là dans plusieurs secteurs dans des quartiers pour Port-au-Prince commencé fait tendre yo et fait chanter zam yo. On a songé que en 97 98 bon dit avant ça 95 t'es un groupe qui t'est prendre naissance qui t'est les l'armée rouge. Nous songeons qu'un policier, Marie-Christine Jeune, qui était victime. Une des premières victimes que nous connaissons de groupe ça, organisé. Dans l'époque, ça, nous songeons qu'il y a Covington, qu'il y a Général Titi, qu'il y a un kidnapping qui bat au nom. La police neutralisée, la police pacifiée, Delma, Cité Soleil, zone ça, qui a un gros problème ça. Mais tout de suite après, qui sont venus l'autre. Ou bien Thierry, ou bien Chuck Norris, la police neutralisée encore. Et jeune garçon, ça a perdu la vie. Après, ou bien qui est, ou bien la bannière, ou bien Dred Vilme, la police encore une fois neutralisée et peut-être, et m'bakonne, et n'exa ou mouri. Si nous regardons bien, après que nous dernier 20 ans, 25 ans, dans la vie pays, chaque camp, une, deux, trois chefs de gang, Jean-Noué Léoa, bandit Jean-Noué Léoa, chaque fois qu'on prend et neutralise, 10, 15 lots vini. Pour qui raison? Qui s'est passé société qui fait les jeunes, qui connaît les gens, prend route ça avec la vie, yo va gagner un pire. Allô? Allô? Guy, où là?
Wow, semblait que nous perdions Guy Souleyna. N'a pas rappelé que Guy Philippe s'est invité nous aujourd'hui. N'a fait possibilité pour nous reconnecter avec lui encore. Qui tape ban nous lecture parle de insécurité en Haïti, de kidnapping. He's back. Okay, yeah. Guy, où t'as parlé de insécurité en Haïti? M'tape du là, oui. Faut que tu poses peut-être une question. Pour ça jeune ça, yo prend route ça. Côté au bien qu'on est au bagage pile temps. Nan route ça parce que l'État pas cap tolérer mouvement ça. Si l'État veut le pays a continué. Si l'État voulait vraiment vivre son travail, parce que nous besoin de touristes venir dans le pays, nous dans Caraïbes là, nous besoin de touristes. Très bien. Vous mentionnez touristes, touristes qui c'est une source de développement pour tout le pays, mais pas capable de touristes étrangers qui entrent en Haïti ou du moins touristes locaux si pas gagner une sécurité qui garantie pour moun sa yo. Ou pas penser ça? Touristes c'est un secteur qui a été créé. Des centaines de milliers d'emplois, direct et indirect. Parce que si tout ça va entrer dans le pays, si nous mettons conditions pour tout ça rentrer dans le pays, les paysans vont vendre ça et planter, récolte la pape gaspiller. Si tout ça va venir, l'argent va rentrer, restaurant va travailler. Mais il n'y a pas de l'autre secteur qui va vivre à partir de tout touriste qui va rentrer dans le pays, même si ça fait dans tout l'autre pays dans le Caraïbes. Mais touristes pas venir dans pays côté y a kidnapper moun y a craser moun y a tuer moun insécurité totale et puis on l'état qui pas existé. C'est image ça Haïti voye. Son l'état qui pas existé, on l'état en faillite. Si nous voulons pour investir sur étranger ou bien nèg dans pays a investir dans pays a faut que l'état créer conditions ça yo pour moun yo sentir en sécurité pour investir l'argent et créer emploi. Donc, pas aucun État qui a toléré que Zak Sayo a fait, et faut que l'État, n'importe l'État, prenne disposition pour Zak Sayo suspendre et camper. Cependant, comme l'État tout, faut que ce n'est pas vous-même encore qui a encouragé Bagay Sayo, faut que ce n'est pas Zakou qui fait que Bagay Sayo a privé dans le pays. Jeune Sayo prend route Sayo. Si vous avez l'espoir que ça soit plus bon, si l'État est encadré, si vous avez l'école, si la famille est malade, si vous avez l'hôpital, si vous avez madame manger, si vous avez habillé, si vous avez un côté pour dormir, si vous avez un travail qui est capable de répondre à la nécessité, pour faire l'argent pour répondre à la nécessité, vous n'avez pas prendre route ça, sûrement. Pays à son pays pauvre, il y a pas tout le monde travail. Mais, faut que les jeunes garçons et les jeunes femmes n'aient pas l'impression que l'État passe sur ça, que l'État va faire rien. Pour changer ça, parce que ça l'État a fait, ou montrer clair que l'État a son l'État délinquant. Si nous avons l'État, côté un président de la République, a violé la loi tout le temps. Si nous avons l'État, quel que soit un directeur, ministre ou bien poste là, c'est millionnaire dans 3 dans 4 mois. Si nous avons l'État, côté impunité, c'est li. Dans la question corruption, pas aucun monde puni. Si nous avons l'État, côté au vol des milliards de dollars Petro-Caribé. Tout le monde connaît qui équipe qui gère comme ça et tout le monde connaît qui est ce qui vous a bail. Réponse sous Jean l'agent ça a passé. Si nous avons l'État, côté crasé comme tremblement de terre là, Jean crasé là, confie l'eau avec quelque soit organisation internationale là. Tout le monde connaît. Non mais qui est comme ça a tombé et tout le monde voit que ni comme tremblement de terre là, ni comme Beto Caribe a pas fait rien sérieux en réalité dans le pays là. Mais si tout le monde a regardé, que le monde ne va même inquiéter, que le monde a essayé, au contraire, que la société a levé, mais que l'autre même société a remis. Qui message nous voyons les jeunes dans la zone défavorisée? Qui message nous voyons les jeunes garçons, jeunes femmes? Qui message nous voyons les paysans? Qui message nous voyons? Nous voyons un message nous dit chaque monde dégage, fait son cap. Parce que ça, vous voyez même, vous voyez que les nègres qui volent le régime banan n'ont pas dit rien. Donc, yo di yo pral vol on grain banane. Mais si yo te wè que depuis en lè, que l'État lui-même te prend toute disposition pour craser corruption, que l'État te prend toute disposition pour améliorer conditions vie moun yo, tout moun, m'bon garanti, ça t'a baissé. Et bien entendu, la police fait travail, la police a toujours fait travail, la, nous sommes que la police a résolu le problème, non? C'est un problème qui est grave, Jean Mouna dit là. La police a résolu li. Mais là, la police finit résoudre problème sécurité physique, problème qu'a vivre dans la rue chaque jour. Faut qu'on l'État qu'a résoudre problème insécurité sociale là. Faut qu'on l'État qu'a accompagner mon yo.
pour que nous vivre. C'est ça, au moins, oui. Donc, c'est tout le monde qui a une responsabilité. Yo. Et c'est ça, et pays, nous avons dit, peuple haïtien, société, nous, élite, nous avons un pays que nous méritons. Si nous avons Haïti, ça, qui a fini comme ça, c'est parce que c'est le peuple haïtien mérité. Comme moi, je connais que nous n'avons pas un pile temps qui était nous, et Guy, je t'ai aimé Fonti parler de la presse. Moi-même, et son journaliste international, je pas couvrir un pile dossier Haïti, plus couvrir dossier et l'autre pays, mais dossier pour la me couvrir beaucoup plus parce que tout simplement, je voulais faire une différence dans le dossier. Mais ça n'a pas empêché qu'on soit toujours très critique vis-à-vis la presse en Haïti. Et est-ce qu'on pensait que la presse en Haïti fait une bonne couverture de dossier là? Non, ou qu'on est dans moi-même que la presse en Haïti pas fait pas couvrir dossier. Non. Premièrement, la presse en Haïti, la presse, on dit que son journaliste professionnel ou international, qui vole en journaliste, les gros dossiers d'un coup pas maintenant qui passent. Parce que c'est pas Guy Philippe qui a arrêté seulement, c'est un sénateur de la République qui a arrêté. Un sénateur en fonction selon l'article 95 Constitution. Et même si c'est un sénateur élu. On sénateur, on nègre voté quand on peuple sorti après tremblement de terre, après cyclone, après toute misère, al voté trois fois au fait élection, trois fois m'gagne élection. Mais au lieu journaliste te faire enquête, mener investigation sous cause arrestation, sous légalité ça que fait là. Ou après que c'est tout ces questions mettre yo prend. Excusez-moi, ces positions mettre yo prend. C'est position monde qui bail réclame dans radio parce que radio en Haïti ou télévision en Haïti c'est monde qui bail réclame monde qui bail toute radio d'ailleurs c'est patron qui fait radio vive. Donc comme on connaît position on est toujours en position claire sous question corruption sous question importation abusive en série de bagages qui cap produit dans pays là sous question nèg cap craser l'argent sous secteur bancaire haïtien. Ou comme c'est eux même avec tout l'État corrompu qui contrôle les radios, qui permet les radios vivre, et c'est l'ambassade lui-même qui finance une série de radios à une série d'organisations droits de l'homme. Donc, il y a juste bah, une consigne, pas parler de Guy Philippe, pas parler de dossier ça, si c'est pas un mal, il y a parlé au Kabouel. Mais en entendant, non, n'importe si mon petit Kabouel que ça fait là, son acte malhonnête. N'est pas si moun petit que l'État haïtien et l'État américain comporte yo en deux l'État voyou dans le dossier. Nan. Mais qui moun qui kap parle de haïsa? Qui moun qui kap fait analyse ça? Qui journaliste qui te kap permettre li faire analyse ça? Parler de problème ça et poser le. Constitution claire sous question comment vous traitez ton citoyen haïtien? Accord que nous signe avec États-Unis clair sous qui Jean? Extradition qu'a fait. Comment comprendre un sénateur de la République, yo prend, yo arrête, yo mène dans le pays et là il est devant juge là, yo changer ça, yo te dit que yo était accusé là et l'autre dit aux gens au fait là pas bon, yo dit bon, yo même c'est pas extradition ou te fait, c'est kidnapper ou kidnapper. Ça me dit là li dans rapport. Ou pral sous pèse, ou pral regarder ou après côté juge là et côté gouvernement américain dans réponse à motion que me fait, dit yo même c'est kidnapping. Ça au fait c'est pas dans cadre la loi au fait, y aurait les bagarre dit abduction. Ça veut dire c'est en force yo aller au prendre. Et ça yo vinn dit après l'homme commence démentir yo parce que yo même yo paraît, yo dit que c'est policier Amos Rojas qui a arrêté Miami. Tout dossier ça, toute faille dans dossier ça. On pas jamais entendre aucun journaliste, aucun radio, aucun télévision haïtien camper chita analyser même pas respect pour peuple grand dans non, même pas respect pour peuple haïtien, tout gain droit. Besoin qu'on ait. Qui ça a fait? Ils préféré monter en cas de la tête aux pieds. Ils ont dit que Philippe a 3 millions et demi de dollars américains que le blanchi. Montrez-le. Pas en goutte. Qui a côté rapport bancaire? Soje Bank voit un rapport. Côté de qu'on dépose chèque, 17 500 goudes, l'homme des commissaires et police. Ces rapports, c'est tout dépôt en goudes qui ont essayé de comptabiliser pour 10 dollars américains. Et même là encore, il va même arriver. Ça veut dire, même les on mette dans le goud là. Banque pas existé encore, m'pas cap défendre tête moi. Avocat Malé, yo dit 8 ans après, yo pas gè aucun dossier à bail, son loi fédérale. Et maintenant, qui condition m'en prison, non pays? M'pas plein. M'a pris en prison avec force. Mais moun qui pense que c'est campé ou tap campé dans la police, qui font goué ouais.
parce que l'a demandé au plus passer ça au faire pour au camping. Il a demandé au plus passer ça au faire pour ta faire me suspendre parler gens m'a parler ou bien suspendre travail pour bien-être peuple. En pile mon a parlé de ça mais yo pas pose aux questions moi-même d'ailleurs mais profiter de opportunité ça pour me poser aux questions parce que nous pas eu tant pile temps deux questions. Première question c'est pour qui raison Guy Philippe pas entré dans négociation pour te bail non moun pour te faire moins temps en prison. Bon en réalité soit dit non et gen des moun proche qui poser une question pour qui ça m'a pas accepté bail non moun pour me prendre moins temps. Premièrement, pour m'baye non moun, faut m'da nan konfio lo et faut m'da nan zak illégal à kon moun. Et moi-même, moi, clem, dis m'ba nan zak illégal. Pour m'da baye non moun, faut m'da kon zak malhonnête moun ap fait et puis m'de nan complicité avec elle. M'ba nan complicité avec aucun vagabond ou fait aucun zak illégal. Donc m'baye aucun non moun. Pour m'da baye, et ou même ou ma amou konel et m'konon par la avocat, ou konel gen un avocat ou te pose le clair devant. Dis dis, ah, bon, j'ai eu un bon instant, faut bailler un dossier sous Jean-Bertrand Aristide, par exemple. Moi, je dis le jour parce que c'est pas important. Je dis, je ne dis pas pour mon avancer les bagages, je besoin entrer dans bonne foi. Je n'ai pas besoin d'Aristide, d'ailleurs. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de monde dans les bagages politiques, parce que je suis fort pour contre moi. Peuple, moi, qui avec moi, côté, avec moi, je n'ai pas même pour monde, ni pour Aristide, ni pour Matéli, ni pour Divali. Peuple, pas même pour moi, pour Samier. Donc l'avocat a dit ça, il dit, je ne comprends pas M. Aristide, je ne comprends pas son chef de police. Qui ça me vient pour me dire de monsieur? Ah oui, tout le monde dit juste bah il menti. Ça me dit là, ce n'est pas jouet. Non, il dit juste bah il menti, tout le monde fait. Je dis là, je ne peux pas faire non, avocat. Aristide, c'est ennemi politique, moi je dis, la ennemi politique, moi demain. Mais moi-même, je ne peux pas faire. Parce que je ne peux pas faire deux nègres, je ne peux pas dire. Pas parce que j'ai besoin d'Aristide, mais son principe. Je ne vais pas parler haïtien, malak blanc. Qui ça me dit blanc? Je n'ai pas de problème politique avec Aristide par rapport à monsieur rentrer 23 000 militaires américains dans le pays. Aucun patriote ne doit faire ça. Aucun patriote ne doit amener blanc dans le pays. Je n'ai pas de problème politique avec elle. Même pas de venir parler mal pour réduire le temps. Il a fait mon mal, il a fait mon abus, que vous faites. Et d'ailleurs, je répète, je dis pour tout le monde qui veut l'étendre, je n'ai pas besoin d'aide politique en quel soi-disant leader en Haïti. Leadership, pam, c'est moi qui ai construit. Peuple, pam, c'est avec moi qui ai marché parce que je crois dans samedi, je crois dans moi. Guy Philippe, il y a un pile de bagages pour nous parler aujourd'hui, mais nous connaissons que tu as fait nous la guerre. Il y a pile d'autres questions encore que moi-même, d'arrêt, me poser où. Mais on a quitté ça pour une autre émission parce que je connais, c'est sûr que dans le jour où il y a l'autre information qui peut changer, surtout dans le dossier OEA, et on a besoin de résultats pour être capable de faire suivi. Et de ça, surtout, il y a l'autre bagage encore et qui a changé dans le dossier là. Que nous t'arrêmer et parler de ça et dans le jour qui venir. Bon, me profiter de dernière minute ça pour me bailler opportunité pour dire un dernier mot à moun qui a suivi là, moun qui a attendé ou et qui ça qu'on t'a dit. Et m'a dit mon yo et malgré toute douleur, malgré toute mauvais temps a passé, malgré tout mauvais moment, malgré insécurité qui a crasé pays là. Maintenant, moi n'a vivre là dans moi ça. Je souhaite que tout le monde prenne comme moi pour réfléchir. Et je souhaite que tout le monde, tout haïtien, quel que soit côté lié, pour passer son joie à Noël. Avec l'espoir que l'année 2021 est plus bon. Si nous croyons en lui, si nous voulons faire le plus bon, la plus bon. Parce que tout peuple a toujours un pays que le mérite. Voilà. Merci en pile. Et Guy Philippe, qui était. Nous t'attendons. Nous t'attendons Guy Philippe qui t'a répondu à la question confrère nous, James Pierre. Et en fin de en prison aux États-Unis d'Amérique. Il a été arrêté le début janvier 2017. Et dans quelques semaines, Guy Philippe a gagné exactement 4 ans depuis qu'il était en prison. Et nous songeons, il a été condamné pour le passer 9 ans en prison aux États-Unis d'Amérique. Bon, c'est vrai que journaliste là avec journaliste a mentionné le fait que il a diminué peine Guy Philippe. Mais bon, là, pas quoi Guy Philippe li a mi-peine, ça veut dire qu'il a moitié peine que te balia et bon là ça c'est l'autre bagaille. Deuxième commentaire et bon pas fait trop commentaire sur dossier ça c'est parce que Guy Philippe dit que et très bientôt ou bien un jour qu'a vinn là yo et ben OEA des décisions que le prend
En tout cas, m'a dit Guy Philippe très très clairement, s'il pensait que OE après le fait quelque chose pour lui dans jour Calvin Lao, lui vraiment vraiment chiré parce que lui dit que le font pétition et le ou fait une pétition ou fait pétition hein, et au niveau de la Commission interaméricaine des droits de l'homme. La Commission interaméricaine des droits de l'homme qui n'est pas la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Et s'il y a des décisions qui pour prendre, s'il y a des jugements qui pour faire, c'est surtout au niveau de la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Maintenant, Commission, qui ça va le faire? Premier bagage que le pral fait, il pral analyser la recevabilité de requêtes qu'on fait. Et pour analyser la recevabilité à seulement, ça capable de prendre 2, 3, même 4 ans même. D'accord? Et après que vous finissez analyser la recevabilité de dossier, la requête, maintenant, vous pouvez communiquer avec l'État parti, avec l'État que vous mentionnez dans la requête. Vous pouvez chercher information énorme. Puis, ouais, est-ce que effectivement droit violé? Là encore, ça peut prendre en pile temps. Et donc, l'on fait une requête au niveau la Commission la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Mes amis, on a fait 10 ans dossier là pour j'aime même traiter même. OK? Traiter sur le fond surtout. Ça veut dire si Guy Philippe a espéré que la Commission interaméricaine des droits de l'homme l'OEA va faire quelque chose pour lui, Guy Philippe a bien temps libéré et la Cour interaméricaine des droits de l'homme et pas fait rien. Bon, bref, c'était juste un commentaire pour me faire comprendre que bagayo yo pi compliqué et que ça monsieur Guy Philippe n'a pas quitté dossier ça. Nous pral parler de Jovenel Moïse, président PIA qui recevoir l'état créance à plusieurs ambassadeurs jodia parmi eux, ambassadeur Mokboul Ali qui vient représenter la Grande-Bretagne dans un pays d'Haïti et le fait qu'on est après que le té fin fait après cérémonie té fin faite, eh bien, lui té fait des échanges avec ambassadeur, hein, des échanges très constructifs et le fait qu'on ait échangé ça a été fait sous des questions d'importance. Non seulement ambassadeur Grande-Bretagne dans le pays d'Haïti, président pays Jovenel Moïse te recevoir également l'être créance ambassadeur République Dominicaine. Farouk Miguel nous connaît et président changé en République Dominicaine, régime n'a changé, l'évident, l'normal pour que y ait des changements qui fait au niveau de diplomatie. Nous capables de garder photo ça, président. On dit que avec Saint-Domingue, lui souhaitait que y renforcer le lien d'amitié qui existait entre deux peuples pour que yon continue et qu'on l'autre pour capable poursuivre destin que yon gagne ensemble vu que deux pays ça yon partagé. Même là, c'est ça, président Jovenel Moïse lui-même lui fait qu'on est n'a quitté Haïti, n'a fait un coup de pied aux États-Unis d'Amérique. Donald Trump prend un gros coup. Bon, c'était juste une formalité, tout le monde connaît ça, tout le monde connaît que le collège électoral là t'après confirmer victoire Joe Biden. Eh bien, gens que ça te prévoit, ah ben c'est comme ça le fait. Mesdames et messieurs, collège électoral là confirmé que c'est Joe Biden qui remportait l'élection. Qui ça Donald Trump pral fait kounya, nous vraiment pas connaît n'attendi et apparemment bon probablement semaine ça là pour le concéder des fêtes là finalement avec vote grand électeur en Californie. Eh bien Joe Biden a plus passé 270 grands électeurs qui votaient pour lui, donc officiellement collège là l'y confirmé résultat et élection yo. Immédiatement collège a fini prendre décision ça quand Biden réagit et Biden a pour le parler à Soya yo fait qu'on est que désormais Biden voulait tourner page élection pour le capable préparer sur pour l'avenir. Il fait qu'on est désormais dans bataille ça cette fête là, c'est une bataille qui est faite pour nomme pays ça États-Unis et il fait qu'on est désormais c'est la démocratie qui remporté bataille ça. Entre-temps, faut que nous disons qu'il y a des changements. Est-ce que me capable dire des changements et mais il y a des monde qui a quitté bateau Trump là. Bien, ministre de la Justice Lia Bilbao qui démissionné. C'est président américain lui-même qui annonçait nouvelle là sous Twitter. On a rappelé Bilbao, tu as gros problème avec Donald Trump parce que
li en tant que ministre de justice li pat fourré bouche li trop long sous bagaille fraude électorale que Donald Trump tab dia. Au contraire, et quand Trump l'a critiqué monsieur comme quoi monsieur li pap supporter un président. Eh bien les amis, Donald Trump ajouté et annoncé sur Twitter que Bill est à partir avant Noël pour capable à passer fête là avec famille et ses ministres justice adjoint Jeff Rhodes qui lui-même pral remplacer Bill et qui pral assurer intérim. C'est sa président Donald Trump qui fait connait sur Twitter. Donc jodi a la en pile moun commencer à quitter bateau tremplant. Mais nous connaît la gagne des fidèles qui a pris avec lui jusqu'au 20 janvier les amis. N'a prêté là un et je que nous te promettre là. Ouais, c'est incapable de faire 11 amis cadeau, 40 dollars américains parce que moi décembre c'est moi cadeau lié sous Unison. Ou connait j'en habitué fait là, nous pral reler 11 amis au hasard, OK. Ouais, là on a pris 11 amis au hasard qui pral aider de choisir un numéro et c'est numéro ça justement que n'a choisi pour c'est numéro ça qui a gagné. N'a pris les 11 amis là. N'après l'île, nous espérons que nous joignons. Ça sonne. Allô? Allô, bonsoir madame, comment vous êtes? Bonsoir. C'est Wendy Kirelo. Comment vous Ah, moi pas plus mal, non? C'est Wendy Fell. Oui, c'est bien moi-même. Moi là là pour capable aider me faire tirage moyen. Et m'pa kon sou disponible pour aider me faire. Hein? Tirage? Oui, m'a font tirage là, m'ta aimé pour rendre mon service pour que ou aider me choisir un numéro. De 1 à 100, m'ta aimé pour aider me choisir un numéro. Ah. Entonces, quel numéro pour me choisir? Ou capable choisir n'importe numéro de 1 à 100. Bon, je choisis 6. Ou choisir 6. Oui. Ah ben OK, très très bien. Merci en pile, merci pour disponibilité et merci parce que vous avez fait jouer là et n'a parlé encore. N'importe là, OK? Merci en pile. D'accord, et justement, est-ce que, parce que moi-même, tout, moi, j'ai un bagage, moi, je voulais expliquer. On a parlé après, m'a fini de faire vidéo et puis on a parlé après. Ok, d'accord. En forme, nous tendez, les amis, li choisi numéro 6, mesdames et messieurs. Li choisi numéro 6, maintenant, nous pour aller sous vidéo, dernière vidéo que nous avons publiée. Et nous prenons le choisi numéro 6. Là, nous avons seulement allé sous vidéo et puis nous comptons 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK? Et puis, mon qui paraît en 6e, non? C'est lui-même qui a gagné parce que nous n'avons pas un pile de voyelle pour sans problème. Moi, j'ai écrit, moi, dit, moi, c'est Reynald Delan et moi, j'ai gagné un tirage à soya, etc. Mais qui côté m'a vive, etc. OK? Donc, où gagné exactement? Jusqu'à dimanche pour réclamer, sinon après, on a passé avec autre chose parce que depuis tout le temps ça a passé ou pas réclamer, c'est comme si ou t'es refusé. Non, pas M. Wendy Fell, je vous aime, sous pourquoi abonner avec channel YouTube là, bonne love là, kounia, sous remé, un cadeau ça au kenab là, sous ta remé que nous continuer en janvier, abonnez-vous, nous gagnons 11 semaines là pour nous faire environ 8000 nouveaux abonnés pour nous capable passer à 250 000 là. M'kwenao, je vous aime.